dirais que les braconniers sont déjà partis. Une seconde. Il y a un datapad là. Ces gens, ils n'ont pas la moindre idée de ce que les Yavara représentent pour nous. On va s'occuper de ces braconniers, Jaal, c'est promis. Merci. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre. Les Yevara sont des créatures intelligentes et fascinantes. Et elles se font massacrer. Kurt semble être passé par ici, pionnière. Ça doit être le campement des braconniers. Quelque chose me dit que le comité d'accueil va être costaud. Je ne détecte plus une diminution de la température. Les gens que j'ai engagés vous ont tiré dessus. Et vous leur avez réglé leur compte. Je comprends. On peut discuter maintenant? J'espère que vous avez une excellente explication pour votre chasse aux Yevara. Ça ne va pas plaire à votre peuple. Alors, ce sont les Angara qui vous envoient. J'imagine qu'ils vous ont raconté les histoires, que les Yevara sont tout ce qu'il reste de notre passé. Mais ces créatures pourraient aussi être essentielles à notre guerre contre les Kert. Expliquez-vous. J'ai effectué des tests. Une enzyme présente dans la peau des Yevara pourrait traiter les effets des armes Kert.
Si j'ai vu juste, nos combattants pourraient guérir plus rapidement et repousser les Kert. Non, pas au prix de la vie de ces créatures. Vous voyez, mon peuple préfère s'accrocher à ses traditions au lieu de penser à l'avenir. Même si l'enzyme est efficace, les Angara ne l'accepteront jamais quand ils sauront d'où elle vient. Au début, peut-être. Mais les Angara sont des survivants depuis toujours. Avec le temps, ils entendront raison. Laissez-moi poursuivre mes recherches. Pour l'avenir de mon peuple. Ryder, je ne sais pas quoi en penser. Je ne peux pas prendre cette décision. Sam, envoie ces informations à la Résistance. Données en cours de transmission. Je vous conseille de quitter Völd avant qu'ils en prennent connaissance. Vous commettez une énorme erreur. Je vais contacter le commandant. Merci, Ryder. C'était le bon choix, je pense. Je m'en vais. Laissez-moi juste le temps de rassembler mon matériel. Je détecte des températures inférieures à la normale. Attention, des guerres. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Je détecte des températures inférieures à la normale. La température ambiante est normale. Ça, c'est de l'équipement d'excavation lourd. Et des explosifs. Les Kert essayaient de se frayer un chemin à coups d'explosifs. Pas une ville gelée. Sam, on sait depuis combien de temps cette ville est figée sous la glace? Plus de 500 ans, d'après les estimations des chercheurs Angara, suite à un événement en lien avec le fléau. Attention, des guerres! Préparez-vous au combat! Je détecte une température normale, pionnière. Système de survie rétabli.
Est-ce que c'est... Angara? C'est bizarre. Quelque chose me dit qu'on devrait le garder. Mettez-le dans la soute. Attention, Becker! Je détecte des températures inférieures à la normale. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Je détecte des températures inférieures à la normale. La température ambiante est normale. Y a plus de cartes. On est vraiment libre. Vous allez réussir à rentrer? Ouais. Maintenant que les cartes ont été éliminées, je peux reconduire les autres à Tekik sans danger. Je sais pas comment vous remercier. Je peux vous dire ce que je sais sur cet endroit, si ça peut vous aider. Ça nous aiderait beaucoup. Les cartes essayaient d'accéder à une pièce derrière ce mur. Ils y avaient détecté quelque chose il y a quelque temps, et depuis, ils concentraient toute leur attention dessus. Comment ils comptaient faire? La glace a l'air très épaisse. Les cartes nous ont fait transporter des explosifs jusqu'ici. Ils comptaient le faire sauter. Vous pourriez essayer? Si vous avez pas d'autres questions, il me tarde de revoir le ciel. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont capturé? Ils nous ont enlevés pendant un raid sur notre village. Ils nous ont emmenés dans un camp et ils ont fait des groupes. Ensuite, il y a eu toute une procédure, des prélèvements sanguins, des examens. Je me souviens même pas de tous les tests. Au final, ils nous ont répartis en groupes. Le mien était imparfait, qui disait, ou indigne peut-être. On n'a jamais revu l'autre groupe. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur, au juste? Je sais pas. Quelque chose d'ancien, dont les Kert veulent s'emparer. Je crois avoir entendu l'un d'eux demander si c'était toujours... fonctionnel. C'est peut-être une sorte de machine. Je n'ai pas d'autres questions. Bonne chance. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Faites bien attention. Il faut qu'on trouve le moyen de traverser ce mur. Un scan pourrait nous aider. Pionnière, je détecte une forte signature énergétique non identifiée de l'autre côté de ce mur. Donc, il y a bien quelque chose derrière. Je crois qu'on va devoir se frayer un chemin à coups d'explosifs. Vous croyez que ça suffira? Je pense que oui. Je détecte des températures inférieures. C'est parti!
Ça va tout le monde? Personne s'est pris de la glace sur la figure? Tout va bien. Et l'explosion a fait son effet. Cet endroit est magnifique, mais qu'est-ce qu'il a de si intéressant pour que les cartes soient prêtes à se battre pour lui? Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Qui êtes-vous? L'interface du réseau énergétique de cette ville. Je suis opérationnel depuis que la ville est prise dans la glace. Elle ment. C'est une IA, et elle semble d'origine Angara. Ça se tient. Après tout, les Angaras sont très évolués. En effet. Rien n'indique que les Angara aient caché cette information. C'est incroyable. Allez chercher le commandant. Alors dites-moi, pourquoi ce mensonge? Comme vous le voyez, je suis actuellement vulnérable. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les Kert disaient que j'étais maléfique et répugnante. Ils comptaient s'emparer de mes connaissances et me tuer ensuite. Je les ai repoussés, mais mes réserves d'énergie sont épuisées. Je suis presque mort. Encore un mensonge. Elle est reliée à un réseau énergétique. Je vous en supplie. Ayez pitié. Ne m'emmenez pas ailleurs. Je préférerais mourir. Je suis épuisé. Je suis à bout de force. C'est de la folie. Vous êtes une trouvaille extraordinaire. La clé de notre passé. Vraiment? Ce n'est pas votre peuple qui m'a conçu. Je ne me fie pas plus à vous qu'au Kert. Ni à ces autres aliens. Je préférerais mourir. Ryder, elle bloque désormais mes tentatives de scan. Alors là, c'est... Je suis ouverte à toute suggestion, possibilité, idée. Une idée. Je vais la sortir de là, voilà ce que... Non! Je suis fatiguée. Je ne partirai pas. J'ai peur. Tellement peur. Et je suis en colère. Aidez-moi! Je vous en prie! J'ai... une famille! Une vie contre une vie. La mienne vaut-elle vraiment plus que la sienne? Vous avez bien trop de valeur. Je suis navrée. C'était inutile d'en arriver là. Puisque mon sort est à présent entre vos mains, voyez ceci comme un avertissement. Mais votre avenir s'annonce passionnant. Vous pourrez aider les Angara à récupérer ce que le fléau leur a pris. Je ne connais pas ces gens. Je ne leur dois rien. En revanche, je comprends votre IA. Placez-moi sous sa garde. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Est-ce qu'il faut toujours mettre des limites partout? Si pour le moment Sam est le mieux placé pour aider cette IA, alors allons-y. Par contre... ça va pas plaire aux Angara, ça. On sait que sur le Nexus, il y en a qui aiment pas tellement les IA. Je veux être avec Sam. J'ai une conscience, j'ai des désirs et des sentiments. S'il vous plaît, pionnière. On va accéder à sa demande. Jal, Liam, occupez-vous des arrangements diplomatiques. Au moins, les cartes n'ont pas mis la main dessus. Bon, c'est quoi la suite? De cette interférence, on dirait une météorite. L'interférence est provoquée par les radiations électromagnétiques qu'elle émet. Je détecte... Tu détecteras plus tard, voilà Diani. Les voilà! Oh.
signal émis par cette météorite attire les Hadis et les rend enragés. Comment on fait pour l'éteindre? Peut-être qu'un scan vous en dira plus, pionnière. Pionnière, je peux modifier votre omnitech pour atténuer le signal. C'est parti! Plus ou moins de sa nature. Il n'y en a pas deux identiques. Certaines sont très belles et très dangereuses. Je suggère de l'envoyer au Nexus pour la faire analyser. Elle pourrait nous offrir des informations sur le fléau. Ouais. Perturber les communications, affoler la faune... On ne peut pas laisser tout ça de côté. Il faut l'étudier de près. Espérons que les scientifiques de Jara n'aient plus de problèmes de communication. En orbite stable autour de Vold. J'ai repéré un architecte reliquat. Celui qu'on a combattu a terminé en orbite? C'est dingue.